Bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e épisode d'Europa Universalis 4 avec la France. Donc, épisode précédent, nous avions pris les charmantes régions ici présentes. On avait pris Tunis, on avait déclaré la guerre à Tunis et pris, grosso modo, quasiment tout ce qui nous intéressait. Donc pour le reste, ce sera peut-être pour plus tard. Désolé pour cette petite coupure. Donc, je disais, on a pris tout ça. On va repositionner nos troupes. Lui, je l'ai envoyé à Tatooine. Voilà, c'est ça. On va s'occuper de légitimer tout ça déjà. Voilà. La surexpansion 83%. C'est pas tip top, hein. Donc voilà. Risque de rébellion. Donc on va laisser cette armée là ici. Même là. Ensuite, celle-là au Kerf. Et toi, tu vas aller ici. Et je pense que tu vas partir. Enfin, tu vas être là pour le cas où il y ait des guerres. Alors, attendez. Garde Italie. Ah ben, on va revendiquer. Qu'est-ce qu'on revendique du coup? Ça, d'accord. Pourquoi pas. Allez. Du coup, il faut que nos troupes se reforment. Non, c'est fait. Pourquoi on est repassé à moins 6? Maintenance des forteresses. Ah oui, d'accord. Alors. On va commencer tout de suite. Voilà. Moins 0,24. Ah ouais, mais on perd 2. Ok. Alors, voilà. Chypre, est-ce que ça fait partie de notre territoire? Pas encore, c'est en cours de d'intégration. Bon, ça va pas tarder, ça va mieux se passer une fois que ce sera intégré. Voilà. On regagne de l'argent, c'est une bonne chose. On a donné ça aussi à notre ami portugais ici présent. Comme ça, il doit bien nous aimer. On pourrait faire des revendications par ici, mais en soi, je m'en fous pas mal. Par contre, on peut revendiquer par là. Alors, ça, c'est quoi la région? Ici. Et cette région-là, ici. Donc, on va dire que notre chasse. Le terrain de chasse, voilà, ailleurs. Est-ce que c'est une bonne région, ça? Ouais, ça peut. On verra. Mais on pourrait déjà commencer à venir taper un peu dans le coin, faire des revendications grâce à Chypre, justement. J'ai pas pris Chypre pour rien. Hein. D'accord, je repère de l'argent. Ça commence à me gonfler. Je vois pas pourquoi en plus. J'ai un emprunt à rembourser, mais là, ce rythme-là, je vais pas le rembourser. Hein. Parce que là, les armées sont reconstituées. Proposer une compagnie.
D'accord. Ça, j'avoue, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, parce qu'à chaque fois, on me dit non. Donc... Alors... on va voir si on peut pas faire des états qui nous rapporteraient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? D'accord, non. La Bretagne. La Bretagne, on va le faire. Voilà, on a déjà légitimé. Voilà. Ça devrait peut-être relancer un peu notre économie. Ok. Pas du tout. Impôt, production, commerce. D'accord. Ah, mais attendez, ah, mes 9 bateaux, ils foutent rien là. C'est ça les vaisseaux légers. D'accord. Les galères ne peuvent pas faire de... Une gêne. Ouais, voilà, allez. Est-ce que ça a changé grand-chose? Je ne sais pas. Coup d'expulsion d'une minorité. Modification des limites navales. Donc ça, pour le moment, on n'a pas trop besoin. On va le garder sous le coude pour si... Elle va plutôt prendre ça. Alors, notre explorateur peut repartir. Alors, analyse du sud Atlantique. Déjà, notre colonie, comment elle se porte? Ah ben, c'est pareil, on n'est pas arrivé, hein. Ah, on s'est fait choper ici à faire des revendications. Bah du coup tu vas revenir. Hein. Alors c'est quoi cette région ici? D'accord, on va le faire. On va faire mais on peut pas le revendiquer. Ah si on peut légitimer quand même. Hop. Ah bah tiens, ça peut-être me faire du bien ça. Oh oui. Réunir une armée, posséder une armée équivalente à celle de 80 000. D'accord. Bon bah 80 000. On est à combien? 60, 70. Alors une armée standard, c'est quoi? 12, 4, 4. Alors 12 4 4 ici on a 10 de base. Alors combien je peux recruter encore? Oui l'épisode va être peut-être un peu plus cool hein, 15. Bah, j'ai juste à recruter 5, donc on va recruter 5 comme ça. Ce sera fait. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà. Vingt, 60, 70. Mais non, il m'en faut au plus. Pourquoi ici il me dit que j'en ai 75? Allez, maintenant j'en ai 75. Alors, recommençons. Quatre, cinq. Et là, on aura 80. Ensuite, on gagne un 47. C'est déjà ça. Niveau des risques de révolte, on va attendre d'avoir légitimé un peu tout ça. Du coup, est-ce que j'ai encore beaucoup de revendications dans le coin? Ah, Tunis. Ok. Du coup, on va renvoyer. Hop, hop, hop. Constituer un réseau. On va faire la même chose ici. Ici, là. Ici parce que là j'ai pas de province limitrophe. Ça va être assez rapidement. Voilà, unifier la région. Ça va être faisable, ça aussi. Ah mais oui, il y a notre ami provençal là. Il est allié à qui lui? Alors René Wittenberg. Ah ça. Alors. On embarque là. Et les bateaux. On va débarquer là, direct. Ah, on va aller faire une petite guerre contre la Provence. Comme ça, dans la foulée, on pourra revendiquer la Lorraine. Le souci étant le Castillon. On n'est pas prêt du coup d'aller lui faire la guerre. Portée coloniale plus 50. Voilà. Voilà, il va falloir que je prenne ça aussi rapidement. Il est déjà sur lui. Allez. Former une seule armée. Les revendications, on les a toujours. Hop, hop, hop. Alors, fabriquer une revendication. Ok, et puis tu vas rentrer à la maison. Voilà, 2 jours. Alors, est-ce que t'as des gens qui font la gueule si je déclare la guerre? Ah, il y a l'Autriche qui va venir. Le Portugal ne vient pas, la Hongrie ne vient pas. Mais je me demande pourquoi je suis allié avec eux. Il a des dettes. Ah, il me doit pas 10 points de faveur.
Ah ben on va attendre qu'il me... Mais par contre, pourquoi la Castille? La Castille tout à l'heure était prête à venir. Et là, elle vient plus. L'Autriche vient. Sienne vient. Et personne ne vient pour moi. Ok. Et en plus, t'as dit à personne, toi? Jusqu'en juin. Ben voilà. Donc partir chez toi faire des revendications aussi. Voilà. Ah, ben, attendre qu'eux me doivent des faveurs. Parce que gérer l'Autriche tout seul, ça me paraît compliqué. C'est con que la Hongrie veuille pas venir parce que l'Autriche c'est juste à côté de chez nous. Et en fait j'ai l'impression que l'ami hongrois il est en train de se faire dévorer là. Bien gentiment comme il faut. Où ça? Trente. Venir là. La trêve avec la Savoie expirée. Là, au début de l'épisode, on déclarera peut-être la guerre à la Savoie. Enfin, avant la fin. Ah, non, enfin, non, ce sera pas avant la fin de l'épisode. Faut que tout ça avance. Par contre, c'est ça. À Tunis même. Ou Tatooine. Ah, ça va péter incessamment sous peu quand même. Voilà. Donc tout ça c'est légitimé. Mais je suis pas sûr que... Séparatiste grec. 10K. Oui bah ça ce sera vite géré. Ça va péter ou ça va pas péter? Ah bah ça, les deux ont pété en même temps. L'autre a pas pété encore. Alors, ça tombe bien. Et voilà. Comme ça, on débarque 40 000 hommes ici. Puis on va aller tout de suite s'occuper des rebelles. Les deux commandants, deux armées sont commandants, forcément. Celle-là l'a pété. On va laisser l'autre arriver aussi. Sur ce, du coup, on va s'arrêter là. On verra ça au prochain épisode. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain. Salut tout le monde.